Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de guitare en ligne de la MJC de Bruges. Aujourd'hui, nous allons aborder les triades. Alors, qu'est-ce qu'une triade? C'est un accord à trois sons, comme on a l'habitude d'entendre les accords majeurs ou mineurs. Alors, revenons depuis le début. Un accord majeur ou mineur est composé de trois notes, de la tonique, c'est la note qui va donner le nom à l'accord, de la tierce, majeure ou mineure, c'est-à-dire c'est la note qui va nous donner l'information si l'accord est majeur ou mineur, et la quinte. Aujourd'hui, on va avoir plusieurs formes de triades, dont des triades qui commencent par la quinte. Parce que, bien sûr, nous pouvons jouer un accord sur le manche où la première note est une tonique, la deuxième, la tierce, et la troisième, la quinte. Mais on peut aussi mélanger cet ordre-là. Alors, je vais vous montrer quelques triades sur le manche en suivant l'harmonisation de la gamme. Alors, on va prendre la gamme de Do, toujours. Et on va venir la déballer sur notre manche dans un ordre bien précis. On va commencer par un accord majeur, puis mineur, puis encore mineur, majeur, majeur, mineur 7 quinte bémol, et pour finir, majeur. Je vais vous expliquer ça en schéma. Donc on va commencer avec un accord majeur, le Ré. Nous allons sauter deux cases et on va faire la position mineure de notre Ré. Donc, comme ça. Et nous avons un Mi mineur. On saute deux cases. Nous avons un Fa majeur. Un Fa mineur, pardon. On saute une case. Et nous avons un Sol majeur. Deux cases. Un La majeur. Une case, un Si mineur, une case, un Do mineur 7 quinte bémol, deux cases et un Ré. Alors, je répète la suite de l'harmonisation de la gamme. Position majeure, mineur, mineur, majeur, majeur. Mineur 7 quinte bémol et majeur. Alors cette technique, elle peut vous permettre d'utiliser des positions que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, d'éviter de démancher aussi quand vous faites un morceau en cinquième case, imaginons. Et bien, pour éviter d'attraper un accord ici parce que vous connaissez que cette position, ça vous permet de retrouver des positions plus facilement. Alors regardez, je pars d'un Ré. Et après, on suit la suite de la gamme. Donc, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do et Ré. Je tiens à noter aussi que les positions que je vous donne commencent toujours par une quinte. Donc, nous avons la quinte de l'accord qui est ici, la tonique qui est ici, le Ré, et la tierce. Ici, et c'est pareil pour tous les accords que je viens de vous montrer. Je recommence une dernière fois, le Ré, Mi mineur, Fa mineur, Sol majeur, La majeur, Si mineur, Do mineur 7 quinte bémol et Ré majeur. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures guitaristiques.